Bonjour y bienvenue a un nouvelle vidéo de l'école Cervantes. Hola, hola, chicos y bienvenidos a un video más de l'école Cervantes. Hoy vamos a ver todos los significados de esa palabra tan utilizada en español como es vale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir toutes les significations De l'un des mots les plus utilisés de la langue espagnole. Et celui-ci, c'est ballet. Avant de commencer, il faut signaler que ce mot est très utilisé, mais dans un contexte informel. Voyons les plusieurs significations. Primer, uso. C'est pour accepter ou donner son consentement. Par exemple, si quelqu'un vous demande si vous pouvez aller à un, un rendez-vous, vous pouvez dire vale » pour donner votre accord. Il est aussi utilisé pour confirmer la compréhension de quelque chose qui vous a été expliqué. Entonces, nos encontramos esta tarde. À la socio en el parque et vous pouvez répondre vale Segundo uso comme une conclusion un autre usage de vale est celui de conclure une conversation ou une discussion c'est à dire après une discussion d'une planification D'une réunion d'affaires, vous pouvez lui dire Vale, nos vemos mañana entonces en la reunión. » Tercer uso Vale est aussi utilisé pour montrer l'approbation ou l'accord avec une idée ou une proposition. Par exemple, si quelqu'un vous propose une activité pour le week-end, vous pouvez lui dire « Vale, me parece bien » pour exprimer votre accord. Quarto uso « Vale » est également utilisé pour demander si quelque chose va bien ou est acceptable. Por ejemplo si vous demandez à quelqu'un de vous aider et vous lui donnez des instructions, vous pouvez lui dire Maintenant, il faut découper la feuille en trois. Vale? Quinto uso. Réduction d'une phrase. Par exemple, au lieu de dire Vamos a salir. On va sortir, on peut dire salimos, vale, on sort, ok? Comme j'ai déjà dit avant, vale est plus utilisé dans le langage oral que dans le langage écrit. Mais il faut noter que c'est un mot très utilisé que vous allez l'entendre si vous allez en Espagne partout et que eh, c'est un mot essentiel de la communication espagnole. Et jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez utiliser toutes les significations du mot vale. Et hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y que pongáis en práctica los significados de la palabra Vale, nos vemos.